Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi, c'est la première fois qu'on se parle. Hein? Je vous ai filmé ce matin, mais je vous parlais pas. Fait que, c'est ça, là, il rentre quand même 2 heures. Il fait tellement beau aujourd'hui, c'est fou, on dirait qu'on est l'été, là. Il fait chaud dehors. Je suis juste sortie comme ça là, avec mon petit cardigan, puis j'étais trop bien. Puis là, les fenêtres sont ouvertes, puis dans le fond, je vais ouvrir ma porte-passée aussi. Un petit peu, parce que là, je viens d'aller faire quelques petites courses. Et c'est ça, dans le fond, je suis allée m'acheter du café. Je vais vous montrer, là, mais je sais pas si on peut le trouver un peu partout, là. Je vais vous montrer le café que je prends. Puis là, je suis pas fière parce que j'ai oublié mes pots. J'aurais aimé ça. Y aller avec mes pots, mais goûtez, hein? Des erreurs de débutante. Fait que je prends. Dans le fond, nous, on boit du café décaf. Mais des fois, j'aime ça, là. Tu sais, quand. Je sais pas. Quand j'ai besoin d'un petit peu de pep, là, que d'en avoir du caféiné. Fait que pour le décaféiné, je prends. C'est de cette marque-là. Sandro. Centropole, café bio et équitable, décaféiné noir, certifié biologique par Ecosphère Canada. Ça, attendez, je vais vous montrer, ça va être plus facile. Comme ça. Puis celui-là, caféiné, c'est expresso noir. Celui-là. Voilà. Ah, fait que celui-là, je pense que c'est pas de Centro, c'est de café bio et équitable, c'est ça? Je sais pas trop. C'est ça, puis moi, dans le fond, on prend vraiment tout le temps du café bio, puis équitable, là, mais dans le fond, bio parce que je le digère mieux. Sinon, ça me fait des brûlements d'estomac quand je prends pas du bio. J'en ai profité aussi pour acheter ce nettoyant-là de bio vert. D'habitude, je prends tout le temps ceux de Attitude, mais à mon petit marché, ils tiennent ceux-là de bio vert, puis ceux-là de Unscented Company, et 2 limes, parce que demain, mon chum puis moi, on va se faire comme une petite fiesta mexicaine, là. On va s'acheter genre de la Corona, puis mon chum, il a envie de faire des jalapenos farcis, puis moi, j'ai envie de manger de la guacamole. Fait que, puis finalement, on se fout le pas beau, fait que ça va avoir pas rapport, mais c'est pas grave. Hein? Je trouve toujours des excuses pour manger des nachos. Puis boire une bonne petite frélope. Fait que c'est pas mal ça. Puis là, je m'en allais me faire un café glacé. J'ai vraiment envie de me faire un café glacé. Fait que je vais vous montrer comment que je fais. Donc, ce que je fais, c'est que je me fais couler un petit expresso. Un allongé, là. C'est un expresso double que j'ai fait. Puis je vais le faire allonger. Fait que je vais en mettre quand même pas mal. Comme ça, là. Je vais accélérer. Comme ça. Puis après ça, ce que je vais faire, c'est que... excusez-moi. Voyons, Seigneur. Attendez, là, j'ai pas installé mon stock. Finalement, je l'ai mis sur pause, puis... Je vous parle. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit peu de sirop d'érable. Tu sais, ça, c'est comment vous aimez sucrer votre café, là, dans le fond, là. Moi... J'aime pas ça de temps sucré, puis je viens le mettre vraiment dans l'expresso parce que avant je le mettais dans le verre de glace, mais c'est comme un peu difficile, le sirop il vient à être froid, tu sais, je veux pas, puis après ça pour brasser ça va mal avec la glace, fait que moi je le mets dans mon café. Voilà, là je viens de penser que j'ai oublié de sortir ma paille. Voilà, comme ça, puis là je vais venir... Moi, dans le fond, j'utilise du lait de cajou parce que dans des cafés glacés, je trouve que ça se remarque pas. Moi, je suis une fille qui aime le café de lait de vache. Excusez-moi, j'ai inversé mes mots. Qui aime le lait de vache dans son café, mais habituellement, là, dans le café chaud, mais dans du café glacé, sérieusement, on voit pas la différence. Fait que, oups là, j'ai fait un petit dégât en passant. Fait que je viens mettre mon expresso dans ma glace comme ça. Puis, je viens juste combler avec du lait. Et je vous dis, c'est... Excusez-moi, j'ai manqué de pile, là. Fait que voilà, puis là, je viens simplement brasser le même. Puis, c'est du vin.
Je vais regarder si je l'ai encore, si je l'ai assez sucré à mon goût. Ouais. Moi, j'ai mis l'équivalent de peut-être une cuillère à soupe de sirop. Oups! Ouais. Mmh. Ça plus qu'on brasse, plus que la glace fait effet, fait qu'il est comme plus glacé que froid. Fait que c'est parfait. Mmh. Je vous dis, moi, je trouve que ça goûte les cafés glacés du McDo. Mais encore plus santé. Je veux pas, c'est du lait de cajou puis du café bio et équitable. Manjo, mescolé. Ah non, c'est vrai. Dans le fond, je vous ai pas compté ça un matin. Ça marche, ça a tellement mal été, là. Là, lundi, c'est décidé. J'appelle pour lui faire... Ah, Manjo, tu sais c'est quoi la chanson? Banjo's Magazine of Six Week! Et oui, je m'en vais le faire castrer, là, c'est... Il est rendu vraiment quelque chose. Hey! Non! Va-t'en! Je l'ignore aujourd'hui parce que... C'est ça, quand il voit des autres chiens, c'est pas envers nous, c'est vraiment envers les autres chiens. Il est trop excité, il est vraiment énervé, puis... veut pas, il est comme pas socialisé parce que... Ben, tu sais, il est socialisé dans le sens où on croise des chiens dans la rue. On en croise 4-5 par marche, là, veut pas, on est à Montréal. Mais, tu sais, les chiens, ils l'aiment pas, là. Genre, les maîtres, c'est rendu qu'ils changent de côté. Tu sais, on recroise tout le temps souvent les mêmes chiens. Ben, pas tout le temps les mêmes chiens, mais, tu sais, il y en a quelques-uns qu'on croise souvent. Tu sais, c'est rendu qu'ils changent de bord de trottoir, là. Malaise. Je me sens, genre, quand Banjo, là, il croise les autres chiens, je me sens comme dans le film Marley et moi, là. Ouais, puis là, ce matin, c'est ça, il était vraiment l'enfer, il m'a fait tomber. Ouais, fait que là, aujourd'hui, il est en punition, là, toute la journée, il est en punition. Son papa, ben mon chum, l'a ignoré, là, puis il faisait le chien piteux, là, pauvre petit loup, mais en même temps, il a vraiment pas été correct. Ça, j'étais en train de ramasser quelque chose à terre, puis il a tiré, et je suis tombée sur les fesses, après ça, sur le dos, puis je me suis cognée la tête, là, je le trouvais pas drôle, là. Je te l'ai chicané, là, qu'il était tellement soumis, puis, tu sais, il se sentait mal, là, sûrement, mais c'est ça, ça a vraiment mal été, puis après ça, on a croisé d'autres chiens, puis il était vraiment très intense avec les autres chiens. À un moment donné, il a fallu que, genre, je fais jamais ça, là, mais j'étais plus capable de le retenir, là, genre, il a fallu que je donne une petite tape sur les côtes, là, genre, une petite tape, ouais, en tout cas, parce que là, il avait rien à faire, on dirait qu'il se raisonne pas, il est énervé, puis il vire fou, là, je comprends pas, puis c'est ça, tu sais, il est super gentil, il nous écoute, mais quand il voit d'autres chiens, là, c'est l'enfer. Fait que là, je pense que ça va juste être mieux pour lui. Sinon, on trouvait ça poche de le castrer, ben pas de poche de le castrer, mais à un moment donné, on aurait peut-être aimé ça avoir une portée ou des trucs comme ça, mais gars, à un moment donné, ça ira à une autre fois, ou gars, on aura d'autres plans de vie. mais c'est ça, je pense qu'il va juste mieux se sentir parce que là, il se fait tout le temps exclure des autres chiens à cause qu'il y a trop, un taux d'hormones élevé là, selon notre vétérinaire qui nous avait dit la dernière fois en tout cas. Fait que, tu sais, il est plus capable de se contrôler, il contrôle plus. Ouais, vraiment là. Après ça, il faut qu'il aille faire pipi. Là, genre, il est trop énervé que ça lui donne envie de pipi. Fait que pauvre petit loup, là, mais c'est ça. Fait qu'on a pris vraiment la décision de le faire castrer. Mm. Puis c'est ça. Mais sinon, à la maison, là, ça va super bien. Là, à part comme là, tu sais, je sais pas si on l'entend un petit peu. Banjo! C'est non! Comme il y a un autre chien, fait qu'il pleure. Genre, il veut trop, il veut. Genre, il est too much, dans le fond, c'est ça. Tu sais, là, il y a des personnes too much dans la vie, ben genre, lui, c'est un chien too much, donc il se fait pas aimer parler de ça. Ouais, fait qu'il me porte du cœur. Mais, voyons, c'est quoi que je disais? Je sais plus trop. En tout cas, je pense que ça va juste être bien pour lui, puis il va mieux se sentir aussi, là, parce que c'est ça. Tu sais, s'il trouve ça poche, là, se faire exclure, là, il veut. Tu sais, c'est ça, il veut trop, là. Fait qu'en tout cas. Ça va le calmer un peu. Mais, ah oui, c'est ça que je disais. Tu sais, dans la maison, il est vraiment... Tu sais, il est super gentil. Il nous écoute. Même à l'extérieur, il nous écoute quand il n'y a pas d'autres chiens. Tu sais, il marche au pied, il tire pas. Et quand, mettons, on est au parc, puis qu'on le rappelle, il vient. Tu sais, il est
ultra obéissants, mais c'est ça, son seul problème, c'est vraiment avec les autres chiens. Fait que c'est pour ça qu'on on voyait pas le... Oups, mes petits papiers, on va le vendre. On voyait pas pourquoi qu'on devrait le faire castrer, parce que c'est quand même un chien soumis, il est vraiment pas dominant. Il est même un peu trop soumis. Fait que on voyait pas la nécessité de le faire castrer, mais c'est vraiment sa relation avec les autres chiens que là... Ça va l'aider. Fait que c'est ça. Fait que lundi, j'appelle parce que là, quand il m'a fait tomber, là, j'ai dit « Et là, tu viens de signer ton arrêt de mort, mon beau. » Sur ça, je m'attaque à mon ménage du printemps. Aujourd'hui, j'ai lavé mon lit. Je vais passer la balayeuse, j'ai ouvert les fenêtres. Puis là, je veux laver mes rideaux. Je vais peut-être laver mon sofa aussi. Ça va dépendre. Je veux passer le rouleau à poil avant de le mettre dans la laveuse. Puis sinon, ah oui, c'est ça que je m'en vais faire en fait. Je m'en vais vous tourner un produit terminé. Oui, oui, un bon vieux produit terminé. Ça devrait être en ligne sous peu ou que ça l'a peut-être été avant ça. En tout cas, c'est ça que je m'en allais faire là. Je divague en vous parlant. Bon, il est rendu 4h30. Puis, j'ai fait quand même pas mal de ménage et j'ai parti mon petit potage aussi. Donc, c'est ça, j'ai commencé mon ménage de printemps. Fait que, tu sais, des petites affaires qu'on n'est pas habitué de laver fréquemment. Là, comme là, je vais laver mes rideaux. J'ai lavé des choses de Banjo aussi, comme sa couverture qu'on met par-dessus sa cage. Ben, ça, on le lave quand même une fois par mois, là. Mais, admettons, les rideaux, moi, je fais ça saisonnier, là, admettons. Je lave pas ça à chaque mois ni à chaque semaine. Fait que je vais laver ça. Sinon, j'ai passé l'aspirateur, j'ai épousseté la petite routine du samedi. Et c'est ça. Sinon, c'est bien relax. Je vais probablement commencer le montage de mon vidéo. Puis c'est ça. Après ça, ben. Je vais regarder un film, je pense, ce soir. Ouais. Fait que là, je suis rendue au temps de me faire à souper. Puis ce que je vais me faire, c'est des gnocchis. Je me suis fait ça jeudi, fait que c'est juste la moitié qui reste. J'ai acheté des gnocchis à l'épicerie, là, ils sont pas maison. Et je vais manger ça avec la sauce tomate, puis des petits haricots verts. Puis je vais regarder ça en écoutant District 31, je pense. Je vais manger ça en regardant plutôt. Voyons, je perds mes mots. En regardant District 31, parce que après ça, j'aimerais ça faire le montage. Ben, en fait, j'ai commencé à faire le montage de mon vidéo des produits terminés. Fait que j'aimerais ça le finir puis le poster en ligne ce soir, je pense. En tout cas, ou demain matin. Je sais pas trop. Fait que j'aime bien ça. À date, je trouve que ça fait pas trop broche à foin. Oh, je suis trop drôle. Fait que je me prépare à souper puis je vais vous montrer les résultats. Bon, j'ai décidé d'aller prendre ma douche avant, mais je me suis dit que j'allais vous montrer comment que je cuis mes gnocchis. Fait que dans le fond, j'ai fait cuire dans l'eau bouillante, salée, jusqu'à temps qu'ils montent sur le dessus. Quand il y en a quelques-uns qui commencent à monter, je les dégoutte à la passoire. Puis après ça, je fais chauffer une poêle à feu vraiment élevé avec de l'huile d'olive. Puis je viens juste comme faire rôtir mes gnocchis. Puis... c'est tellement meilleur, là, je vous dis, là, comme on peut le voir. En tout cas, je vais vous montrer quand ils seront rôtis. Fait que c'est ça. Puis je mange ça avec la petite sauce tomate que j'ai décongelée. Excusez-moi la télé derrière. Je suis même pas gentille. Fait que, ouh, c'est chaud. Puis je vais manger ça avec des petits haricots verts qu'on avait déjà fait blancher. Fait que je vais juste les réchauffer. Okay. Vite fait! Donc, on peut voir là un peu qu'ils sont. Allô tout le monde! Donc, il est rendu pas mal plus tard. Puis, j'ai fait le montage de mon petit vidéo que j'ai tourné cet après-midi de mes produits terminés. Puis, hey, ça fait drôle ma lumière sur le mur! Ma lumière est comme de même, là. Ça fait des motifs. Ça m'arrête plus à la caméra. Banjo, doucement. Non. Puis, oui, ben je vais mettre fin au vlog dans le fond parce que là, il ne veut pas se passer grand-chose. Fait qu'au prochain vlog.